C'est Power Julien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Resident Evil 6. Aujourd'hui je suis vraiment désolé parce que l'épisode sera upload tout bonnement le lundi au lieu du samedi. Alors pourquoi? Parce que comme vous devez sûrement remarquer, je suis malade, donc je vais avoir beaucoup de mal à commenter. D'ailleurs je ne vais pas commenter, putain je suis vraiment désolé, mais il fallait que je fasse cet épisode, mais ça tombe bien parce que on est à l'avant-dernier chapitre et pas que le début de l'avant-dernier chapitre, c'est full action. Donc ça va pas être trop gênant si je commente pas. Aujourd'hui il n'y a pas Saruman Leblanc malheureusement, mais il sera là pour les derniers épisodes. Normalement il en restera deux après celui-là. On va faire 25 minutes histoire de continuer l'histoire et vous tenir en haleine pour la suite. Donc c'est parti, je vais pas commenter, je vais commenter juste à la fin et peut-être à quelques moments, mais là je suis vraiment très 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 pris et j'ai vraiment mal à la gorge et ça c'est vraiment pas de bol. Je peux avoir mal à la tête, n'importe quoi, mais alors mal à la gorge, c'est terrible pour un youtubeur. Bon, c'est parti. J'ai entendu! Je sais pas comment on va se tirer de là! Accroche-toi! Cette ville est complètement perdue. Hé hey, tire sur ce truc, tu veux? Ça commence à faire très mal. Et une limousine, ça aurait été mieux. Agrippe-toi aussi fort que tu peux, ok? Yeah!
chier! Je vais pas tenir! Tu peux tenir! J'arrive! Il nous attendait. Courage! Comme si on n'avait pas assez de problèmes! Attention! C'est parti, accroche-toi! Bon les gens, là c'est abusé, je sais pas comment je me suis fait toucher, mais je vais en profiter. En tout cas pour changer de manette. Parce qu'elle a plus de batterie celle-là. Putain, j'ai vraiment la gorge très prise. C'est une horreur, donc j'ai la voix beaucoup plus posée que d'habitude, donc je pourrais pas lever la voix, et je ne commande pas, j'espère que ça vous gêne pas trop, donc c'est parti, on reprend. Comme si on n'avait pas assez de problèmes! Attention! Parti, accroche-toi! Thank you.
soldats sont là, eux aussi. Jake. L'équipe de Chris nous protégera. On n'a pas besoin d'aide. Je leur ai rien demandé. Je sais que tu l'aimes pas, mais si Chris est là... Ok, ok, assez parlé de Redfield. Bordel. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Il est temps de leur montrer. Ils tombent comme des mouches. On va régler ça rapidement. Je pensais qu'on passerait la nuit là. Par là! Ok! J'en ai marre de courir! Je vais descendre cet hélico! Comment? Avec quoi? Je sais pas. Je déciderai sur le moment. Chris est sur le toit, il essaie d'abattre l'hélico. Ça a l'air plutôt mal barré, non? Montre-lui comment on fait. Il y a un petit explosif qui pourrait lui être utile. Ha ha ha!
Appuie les coups, je m'en viens tout de suite. Wesker était mon père. Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Comme ça. J'ai dû le mettre de mauvais poil. T'as vu l'hélico qu'ils ont envoyé à notre poursuite? Un bébé comme celui-là coûte dans les 15 millions de dollars. Le terrorisme est lucratif. Ils ont peut-être un mania du pétrole ou deux de leur côté. Des manias du pétrole? Où je suis né, les gens pensent qu'Oncle Sam est la cause de la plupart des problèmes de ce monde. Ouais, bien sûr, tout le monde adore accuser l'Amérique de tous les maux. C'est à nous les méchants, Jake. Écoute, ces terroristes ont aussi lâché leurs armes biologiques sur notre pays. Alors le monde entier court à sa perte. Et tu es le seul à pouvoir le sauver. Eh ben, on me met pas la pression. Bien reçu. Bon sang, ces enflures sont absolument partout! Pas facile d'être une star! Alors on pourra pas passer discrètement? Yeah.
J'apprécie vraiment. Verrouillé ? Oh, fais chier. Allez, faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Chérie, c'est ouvert ! Ça pue la charogne, comme en est Denis. Tu vas bien ? J'ai connu pire. Même si je guéris pas aussi vite que...